Sonic. No, God! No, God, please, no! 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 Hello there. Qu'est-ce que vous faites là, mes petits chimichangas? Oh, I see. Vous voulez connaître l'histoire de votre serviteur? Eh bien, sachez que même si c'est sorti le 14 février, c'est loin d'être une histoire d'amour. Mon nom est Wade Wilson. À la base, je suis un mercenaire, mais bon, je préférais devenir un releveur de Thor. Un seul regard dans sa direction et tu découvriras dans la douleur qu'on peut être un nounours sans pour autant être mou du gland. Mauvaise formulation. Quoique... Et du coup, je sauve les jeunes filles des stalkers et la veuve de son amant malsain. C'est dans mon petit repère que je rencontre l'amour de ma vie. Des canons. Que je fais rêver pendant une magnifique année pleine d'amour, de rendez-vous, de sorties entre amis. Qu'est-ce que j'essaye de berner là? Toute l'année, ça ira. Et puis après tout, même si je suis un mercenaire, j'ai un cœur tout de même. Tu voudrais pas la mettre épouser? Ah, on est 5 ans. Mais bon, comme je le dis si bien, la vie est-elle une longue suite de merde avec de vagues pauses pubs de bonheur. Et donc, c'était la fin de notre page de réclamation. Putain, mais... Alors, wait! Dans ce contexte, où mes potes me conseillent des soins à base de plantes... Je te mixe un triticum aestivum, blé tendre pour ton système immunitaire. C'est fou ça, on croirait entendre Vanessa. Ou que l'on va combattre ça... On va se battre. Je fais la rencontre de Monsieur Smith. Non, pas celui-là, le vieux lord d'enfant. Monsieur Wilson, qu'est-ce que je peux faire pour vous? À part attirer des jeunes garçons dans votre fourgonnette. Il me propose de devenir un super-héros, voire même de transformer en machine de guerre, et de guérir mon cancer. Vous savez, c'est comme ces formules 3 produits où vous devez à chaque fois rajouter 1 euro pour avoir un autre produit. J'aime pas l'idée, mais bon, par amour, on fait beaucoup de choses. Mais pas trop non plus, hein, faut pas cautionner tout dans la vie. Mais je veux pas un costume tout vert. Ni en image de synthèse. Et c'est là que je fais la rencontre d'un produit vaisselle et de sa brosse à récurer les chiottes. L'allumette, c'est pourquoi? Fixette buccale? Ou super fan de Stallone. Patience, Angèle. Il y a un temps pour tout. Alors vous êtes la femme de ménage, c'est ça? On sent que ces deux-là, ils sont pas là pour déconner. Et qu'ils vont pas simplement me faire 2 injections. Avant, je recevais mes patients avec des euphémismes choisis. Ce sera peut-être douloureux. Ça pourrait vous causer un peu d'inconfort. Ça m'a passé. Et ça dure comme ça pendant des mois. Et des mois. Et encore, jusqu'à ce qu'Ajax en ait marre de mon sens de l'ironie, pourtant si fin. Faut pas te laisser intimider, Cunningham. Il s'appelle Grocaine, mais en fait, son petit nom, c'est Francis. Et me mettre dans un appareil pour tête de con. Vous savez maintenant pourquoi je dois porter ce magnifique costume? Parce que ce con m'a fait une gueule de merde. Oh, d'accord. Tu aimes ce que tu vois? Non. On dirait un rapport sexuel entre une vieille courge toute moisie et un avocat trop mûr. Ouais, sans amour. Je décide alors de m'enfuir en faisant péter le laboratoire, mais Francis a décidé de m'enterrer avec celui-ci. Mais bon, ce qu'il oublie, c'est qu'il m'a transformé en un paracétamol ambulant. Je guéris de tout. C'est alors que je décide de devenir... Captain Deadpool. Non, que Deadpool. Deadpool, tout court. Moi, je m'en fous de la justice ou de l'humanité, hein. Je veux la tête de Francis. Où est Francis? Où est Francis? Mon Dieu, je suis désolé. Francis! Et devinez quoi? C'est Monsieur Smith lui-même qui me la donne sur un plateau. Je vais vous dire... Ah, oui, tu vas me le dire, mais d'abord,
Gardons-nous de heurter les sensibilités. 1, 2, 3, cassez-moi les... C'est là que je fais la rencontre de mon futur meilleur ami, Dobinder. Mettez-vous à la place 2 secondes d'un scénariste qui se dit un indien, Dobinder. Pourquoi ce beau costume rouge, Monsieur Paul? Je suis déguisé en Père Noël et je cherche un petit garçon qui n'a pas été sage. J'aime bien ce gars. Ça nous fera 27,50 $. Je prends jamais mon portefeuille quand je travaille. Ça me déforme le costume. Oh. Mais tiens, tu prends les tchèques? Et ma vengeance est enfin à portée de main. Effort maximum! De coup de pied en coup de poing, en accident, je me retrouve face à quelques mecs avant ma petite vengeance. Compte à rebours! Ce soir, branlette. Mais où est passé Francis? Francis! Francis! Merdouille et double crème! Et c'est pour ça, chers auditeurs, qu'on aime le Saskatchewan! Il y a du catch là-dedans! Un bon exemple de pure vengeance! Et alors que je m'apprête à lui éclater sa petite gueule. Papa? Voilà pas que Tête de Chrome et Shenhead se pointent pour me faire la morale. On t'a prévenu, Deadpool. C'est un abus inadmissible et honteux de tes pouvoirs. Vous êtes nos prisonniers, toi et ton acolyte. Écoute, Colossus, j'ai pas le temps pour ta bien-pensance à la con. Ce qui laisse le temps à mon cher Francis de se tirer. C'est tout à fait regrettable. Là, c'est trop! Alors qu'il m'embarque pour me ramener voir Stuart, à moins que ce soit McAvoy... On s'y perd dans leur chronologie. Je me décide de me la jouer franco. James, hein, pas le général, bien sûr. Oh, ça va être orgasmique. Et c'est ainsi que la petite fille de ma femme... Je rentre alors pour faire le point, me poser calmement, et surtout élaborer un nouveau plan avec ma super coloc. Qu'est-ce que ça me manque, la coke? Elle. Oh, mise en abîme à l'intérieur de la mise en abîme. Ce serait donc du 3e degré. Mon plan est alors simple. Retrouver l'amour de ma vie, Vanessa, avant que Francis ne mette la main dessus. Du bruit pour chastité! Oh, pop, c'est une vidéo pour la famille. On arrête là tout de suite. Ah, c'est mieux. Bon, bref, je la retrouve. Mais malheureusement pour moi, Francis le fait avant. Vous doutez bien, me connaissant, je prends ça avec calme, réflexion, j'essaye de poser la situation. Putain! Wade, si on... Chier! Écoute, charcute! On peut en discuter parce que... D'accord, tu peux casser ça, ouais. Merde! Ouais. Merde! Non, d'accord. Mais bon, je peux pas faire ça tout seul. J'irai bien avec toi, mais j'ai pas envie. Et avec Dobinder, on va aller leur défoncer la gueule à ces petits bâtards. Enfin, Dobinder nous emmène juste. Hein. Tu l'imagines vraiment sur un champ de bataille, lui? C'est votre copain, le gars qui brille. Il brille, mais il tue. C'est là qu'il faut lancer la musique. Musique, toi. I'm a wolf in sheep's clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. C'est l'heure de casser des culs et de bouffer du chewing-gum. Qu'est-ce que je raconte? Allez, à l'attaque. Crampette. Bob? Wade? Et les gamins? Ça va? Et Gaëlle, elle fait toujours ses lasagnes au thon? Une tuerie! Ouh, Francis! Je suis là! Toi aussi, t'écris des petits mots? Tellement sentimental. Allez, on danse. Et quand je dis on danse, c'est plutôt on s'entretue! Mais bon, je suis pas non plus une bête de combat. Mais heureusement que Vanessa est là. Ah.
Sonic, de son côté, va alors tout faire péter et me sauver la mise, elle aussi. Décidément, vive les femmes. Tandis que je sauve Vanessa. L'effort maximum! Vanessa est alors retrouvée par Sonic et Chrome, et tout est bien qui finit bien. Oh putain, c'était trop de la bombe! Bon, il est temps de lui éclater la gueule à celui-là. On s'en bat les couilles. Attends! 4 ou 5 moments! L'est-il? Bla 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 bla. Pourquoi? Tu t'écoutais parler! Et c'est ainsi que je fis rêver une nouvelle fois la femme de ma vie. One. Je suis pas un super héros, hein. Je suis quand même un super coup. Vous êtes encore là? Ah, vous pensiez qu'il allait avoir un truc, genre une reprise de musique de Céline Dion, mais non, j'ai pas le temps et c'est trop compliqué à faire. Par contre, je peux vous dire qu'on en a un peu chié pour la ramener, Céline. Je sais pas si vous avez remarqué dans le clip, mais elle est un peu morte. C'est presque le cas, mais pour le moment, ça va. Pas de soucis.